Metz 14e accueille Nice 4e. Les Niçois sont toujours invaincus et restent sur un match nul après 3 victoires. Les résultats récents sont très bons. Boga, Mofi et Laborde sont titulaires pour essayer d'obtenir un nouveau succès. Sofiane Diop est lui blessé. Metz reste sur 2 défaites sans avoir marqué. Mais la situation peut être corrigée lors d'un match à domicile avec Diallo, Pape Diallo et Stupinan titulaires. Les Grenats essayent tout de suite d'aller de l'avant mais sont pris par des Niçois un peu plus entreprenants, notamment avec Kefren Thuram. Thuram pour le centre, le ballon sur le haut de la barre transversale. Le milieu de terrain niçois a bien failli réussir à marquer un but surprise. Les Aiglons continuent à attaquer. Jérémy Boga sur son côté. Boga réussit à transmettre la balle pour Thuram, puis Melvin Barr pour un centre au deuxième poteau. La reprise d'Hicham Boudaoui. Action impeccable pour les Niçois. Il mène 1-0 à la 14e minute. Le premier but de la saison pour Hicham Boudaoui. La jolie conclusion d'un bon mouvement. L'international algérien était bien placé. Nice mène au score. Attention à cette remise en jeu et une certaine nonchalance. Les Niçois n'ont pas réussi à prendre le ballon. Interception Messine et la possibilité d'égaliser sur ce genre d'action. Mais le tir d'Estupinan est manqué. Et ballon capté assez facilement par Boulka. Nice repart de l'avant. Ce but n'est pas suffisant. Un deuxième pour être peut-être un peu plus tranquille. Notamment sur ce tir de Jérémy Boga, l'international ivoirien. Et le ballon directement sur Alexandre Oukidja. La première période est plutôt niçoise et le score est de 1-0 pour les visiteurs à la mi-temps. Petit souci pour Kefren Thuram à la pause. Il est remplacé par Morgan Sanson pour la seconde période. Nice repart de l'avant. Nouveau mouvement d'attaque. Un centre et un ballon repris. La sortie d'Oukidja dans les pieds de son adversaire. Terem Mofi ne parvient pas à conclure l'action. Et donc toujours pas de deuxième but niçois. Metz peut toujours égaliser. Pourquoi pas sur cette séquence. Avec une bonne transmission. Mais la finition n'est pas du tout à la hauteur. Le geste final est manqué. Dommage pour Kouao. Le chronomètre tourne en faveur des Aiglons. Encore une chance avec Laborde. La remise derrière lui. Et une possibilité de frappe, c'est encore sauvé par Oukidja. Une chance pour l'un des remplaçants du match, Evan Guessant, entré en cours de partie. Une dernière chance peut-être pour les Grenats. Un tir de loin, l'intervention de Marcin Boulka, c'est l'une des meilleures chances depuis le début de la partie. Mais Kandé ne parvient pas à marquer le but qui aurait offert un point au Lorrain. Victoire finale de Nice, 1-0 sur le terrain de Metz.